Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je vois que vous arrivez, c'est super. Bienvenue tout le monde, nous sommes mercredi, il est 14h, 14h, et on se retrouve donc pour notre live créatif. Super, je vois que vous arrivez. Bonjour tout le monde, coucou Aude, coucou Nathalie, coucou Marianne, hello Coco. Fabienne, Marotine, je crois que mon équipe des chippies est là. Bonjour Martine. Ouais, je vois que je suis pas toute seule. Ah oui. Oui, il y a quelqu'un à côté de moi aussi. Coucou. Hello Marotine. Oui, il fait super beau, tout va très bien. Salut Laurence. Super. Bien. C'est bon, vous arrivez, c'est génial. Alors, bah, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à mes chippies, mes fidèles qui sont là chaque semaine pour mettre un peu le bazar et un peu d'ambiance dans ce live. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Coucou Doudoune, ça va? Hello Kali, j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Voilà, on se retrouve chaque mercredi à 14h pour partager un petit moment sympa, pour découvrir un projet créatif très simple en général. Et puis voilà, on rigole bien en général, c'est assez fun. Donc voilà. Alors, avec mes filles, c'est le rendez-vous du mercredi. Ah, Doudoune, c'est trop cool avec vos enfants, j'adore. Ça me fait plaisir. Bon, super. Ça y est, Sandrine. Bon, alors, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? J'imagine qu'il fait à peu près beau pour tout le monde. Donc ça, c'est top, ça fait du bien. Ça redonne un peu la pêche, je trouve. Donc c'est assez sympa. Bonjour Viviane. Au taquet, Marotine. Coucou Evelyne. Laurence, oui. Ah, pour une fois, tu es raisonnable. Bon, ça veut dire que ce doit pas être la grande forme. Alors prends soin de toi, ma belle, hein. Super. Bon, alors, plein de petites infos comme ça à vous donner aujourd'hui. Donc, nous sommes le dernier jour du mois. Donc, sachez que le code hôtesse sera clos à 18h. Il faut un horaire hein, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Alors, excusez-moi, hop, j'enlève ce coussin qui m'agace. Voilà, mes mères s'étaient installées. On ne se moque pas. On n'attend pas Patrick, mais si, elle est là, ça y est. Bonjour Marie. Donc voilà, le code hôtesse du mois de mars sera clos à 18h et vous aurez donc le nouveau demain, le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, hein, je vous assure, il sortira bien demain matin. Hein. Il n'y a pas de problème. En bon replay. Oui, bah écoute, profite Evelyne, il n'y a pas de souci. Coucou Dominique. Hello Fabienne. Donc voilà, ça c'est la première info. Ensuite, je passe aussi mes commandes demain pour le kit du mini-album Hortensia. Donc voilà, vous avez encore 2-3 heures cet après-midi pour passer votre commande si ça vous intéresse. Ok, je passe la commande demain, donc je clôt les inscriptions en fin d'après-midi. Voilà, vous avez les infos évidemment sur mon blog. N'oubliez pas non plus que nous sommes toujours dans la période des fins de série, donc plein de produits à des prix réduits ou des produits qui vont carrément disparaître. Donc allez jeter un œil sur la boutique, voilà, si vous avez des petits coups de cœur, voilà, il est encore temps de vous faire plaisir, donc n'hésitez pas. Et ah, je sens que les filles sont en forme aujourd'hui. Le soleil les met en joie, n'est-ce pas? Donc les fins de série, hein, vous le savez, hop, c'est sur la boutique, vous trouverez tout, il y a encore des belles choses, vous verrez ça, j'en suis certaine. Bien. Et puis, ben, vous le savez, hein, on a reçu, pour certaines d'entre nous, les démos, on a reçu notre nouveau catalogue annuel, qui est un petit bijou, il est très doux, très tendre, c'est un vrai bonheur. Coucou Virginie, hello Cécilia. Voilà, il est rempli de plein de petits trésors. Vous allez voir, un vrai bonheur. Voilà, moi je trouve que c'est douceur et tendresse qui ressort de ce catalogue, donc c'est assez sympa. Vous avez toutes les infos dans l'article de blog. Vous avez le lien d'ailleurs dans la vidéo pour savoir comment faire pour recevoir donc votre exemplaire de catalogue. Voilà, si ça vous dit.
Et puis, bah justement, vous le savez, au mois de décembre, j'avais fait mes premières portes ouvertes virtuelles. Eh bien, je réitère l'expérience, du coup, pour la sortie de ce catalogue annuel. Donc, vous pouvez d'ores et déjà noter donc les dates. On fait ça sur un week-end, hein, bien sûr. Donc, ça sera le 8 et le 9 mai. Hein, donc, on fera ça sur à peu près 5 lives. Je travaille dessus en ce moment, donc vous aurez le programme très bientôt. Voilà. Pour bah, une découverte hein, de ce qui se cache dans ce super catalogue avec des projets, plein d'idées de création, d'inspiration, des petits challenges. Enfin bon, voilà. Je pense qu'on va passer un moment sympa. Hello Fatou, comment ça va? Voilà. Bien, alors, eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un live créatif. Donc, je pense qu'il est temps maintenant de passer donc sur ce projet. Donc c'était une carte que l'on peut donc poser. Vous allez voir, la personne qui va la recevoir, pardon, pourra l'exposer chez elle. Voilà, parce qu'elle tient parfaitement debout. Donc elle est vraiment très jolie et vous voyez avec la magnifique collection Pivoine Pensive que j'aime beaucoup, qui est encore à peu près encore disponible en ce moment. Voilà, mais qui disparaîtra hein, pour le papier design qui va disparaître très très bientôt. Donc vous pouvez encore vous faire plaisir. Voilà. Donc avec la découpe, hein, bien sûr, de la pivoine qui est juste magnifique. Donc on a le set de tampons comme ça. Et donc j'ai mis mes poinçons dedans. Hop. Voilà, avec toutes les découpes. Hein, elles sont très très nombreuses pour ce set. Il est vraiment très très complet. Donc avec des tampons qui sont absolument magnifiques. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec cette collection. Donc n'hésitez pas, profitez-en encore, vous pouvez le faire. Et puis voilà, donc cette carte s'ouvre comme ceci. Donc vous avez de quoi écrire à l'intérieur. Et du coup, bien sûr, hop, on peut rajouter un petit message pour un petit morceau de papier blanc pour un message un petit peu plus long. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette carte? Ah oui, ici, les magnifiques poinçons couture imbriquée que j'adore plus que tout et qui effectivement vont nous quitter au prochain catalogue. Et ça, c'est vraiment un set de poinçons dont je suis totalement fan. Il est, voilà, vous allez voir, vous avez plein de poinçons de tailles différentes. Là, il est encore dispo. Et alors vraiment celui-là, mais j'en étais complètement fan. Donc du coup, j'en ai profité pour l'utiliser encore. Voilà. Bien, alors, pour la réalisation du projet aujourd'hui, je reste dans les fleurs, mais cette fois, je vais travailler avec la super collection Colline d'Hortensia, qui elle aussi est vraiment magnifique et qui est au catalogue, au mini-catalogue janvier et juin. Donc voilà, nous partons dans les tons de violet pour ce live. Alors, en ce qui concerne les mesures, je vais vous les redonner comme d'habitude, je vais aussi vous afficher les schémas et vous aviez dans la publication d'événements la liste du matériel dont il vous fallait, dont vous aviez besoin pour réaliser ce projet. Donc, pour la base de la carte, hop, je vais mettre tout ça de côté, on va prendre au fur et à mesure. Hop, pour la base de la carte, il vous fallait un morceau de papier uni de 29,7 par 10,5. C'est ni plus ni moins qu'une feuille A4 qui est coupée à la moitié dans la longueur. Bonjour Marie-Pierre, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, regardez, on commence juste. Bienvenue. Vous voyez, hop, il est coupé, la feuille A4 est coupée dans la longueur. Donc du coup, dans une feuille A4, vous avez même la possibilité de faire deux cartes. Donc ça, c'est top, il n'y a pas de perte, on est tranquille. Hop. Alors, on est parti, nous allons faire les plis pour obtenir cette jolie carte à poser. Vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. Donc, bonjour Aurore, comment allez-vous? Je vous mets hop à l'écran le premier schéma, quelques secondes pour que vous puissiez avoir une idée des plis. Voilà.
Donc, un premier sens de pli, vous allez comprendre. Ça y est, les filles sont en forme. J'adore les collections pivoine, pensive et collection d'hortensia. Oui, c'est vrai que c'est des collections qui sont magnifiques, Coco. Et puis les filles qui se font des petits compliments aujourd'hui, comme elles sont mignonnes. Vive le printemps. Bonjour Béatrice. Bienvenue. Rentabilisation des feuilles. Mais oui, Marutine, exactement. On fait attention à notre matériel et on le garde précieusement. Donc vous aviez donc le premier schéma à l'écran. Un pli à 1 cm et un pli à 11,5. Ok? Donc je pose mon papier donc sur mon coupe-papier. Hop, non, je ne vais pas mettre ça parce que du coup, vous n'allez rien voir. Je le pose ici et je viens faire un pli à 1 cm. Ok? Pour que ce soit plus facile dans le maintien de mon papier au moment où je voulais refaire le pli quand c'est seulement 1 cm, je vais d'abord le prendre dans ce sens-là. D'accord? Je viens faire mon pli à 1 cm. Voilà. Ensuite, je retourne simplement mon papier pour venir faire mon deuxième pli qui, lui, est à 11,5. Coucou Lynn, bah écoutez, je suis désolée. Alors moi, je suis en même temps sur mon portable pour voir vos commentaires et l'image est à peu près correcte. Donc peut-être qu'il faudrait vous reconnecter. Ma Bible Harmony Scrap est ouverte et je note. Merci Maroutine. Donc le premier pli à 1 cm et le second à 11,5. 1 cm et 11,5. Alors pour celles qui regardent en replay, ne vous inquiétez pas, ou qui préfèrent le faire en replay, vous aurez comme chaque semaine sur mon blog, à la fin du live, juste une question de temps de téléchargement de vidéo, vous retrouverez la fiche technique dans laquelle enfin, vous pourrez déjà dans un premier temps télécharger et imprimer. Et vous pourrez également retrouver donc la liste du matériel, les mesures et également les schémas. Donc pas d'inquiétude si vous êtes un peu perturbé à suivre là en direct, vous pourrez retrouver après sans aucun souci. Bonjour Annie, bienvenue, il n'y a pas de souci, on vient juste de commencer. Merci Sandrine pour les mesures, ma belle. Coucou Karine, tu restes pas toi. Donc nous avons fait le premier pli à 1 cm et le second à 11,5. D'accord? Maintenant, donc j'ai le pli à 1 cm ici, 11,5 ici. Je vais retourner mon papier. D'accord? Et je viens continuer à faire des plis. Le premier est à 4,5. 4,5. Le second est à 8, 4,5, 8. Et hop, non, si c'est bon, là c'est toujours bon. Le dernier à 14,9. Ah, génial Marie-Pierre, je suis ravie que vous alliez bien. J'espère que vous allez passer un bon moment. Voilà, je peux mettre mon massicot de côté, puisque en ce qui me concerne, l'essentiel des plis du papier uni sont faits. Voilà. Hop. Je vais mettre ça de côté. Quelques petites secondes pour vous parler du papier design. Alors, je vais les prendre tout de suite, la déco, je vais la mettre de côté. Hop, on verra ça. Ensuite, le papier blanc, ma petite étiquette. Voilà, bougez pas. Coucou Annie, comment vas-tu? Alors, pour le papier design, je vous avais parlé de prendre un morceau de papier de 10,2 par 9,6.
Sophie, oui, en replay, d'accord, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Puis vous aurez la fiche technique sur le blog avec les mesures et les schémas. Donc le papier design, 10,2 par 9,6. C'est par rapport aux plis pour que ce soit plus joli, Maretine. Donc le papier design, 9,6 par 10,2. Ce morceau de papier-là, nous allons venir le couper en trois morceaux, d'accord? Pour venir le coller sur le devant de la carte, d'accord? Donc 9,6 sur le haut, 10,2 sur le côté, d'accord? Et nous allons venir couper en trois fois 3,2 cm, d'accord? Donc, je vais couper ça tout de suite. 3,2 cm. Voilà, pour venir décorer l'avant de nos panneaux. Alors, pour la petite histoire, j'ai ma fille qui scrape en même temps, qui fait le live en même temps que vous. Voilà, qui est en train de faire sa carte et elle a juste failli tomber de sa chaise. Tout va bien? N'aie pas peur. Voilà, j'ai mes trois morceaux, hop, de papier ici. Tiens, coucou Clem. Ok, ensuite, nous avons encore besoin de d'autres morceaux de papier design. Ah, oh, merci Marie-Pierre, c'est trop gentil. Merci beaucoup, c'est adorable. C'est trop gentil. Mais en même temps, je pense que les gens, voilà, ils profitent du soleil cet après-midi et ils ont bien raison, il n'y a pas de souci. Mais c'est trop gentil, merci. Donc, un morceau de papier design qui fait 10,2 par 3,7. 10,2 par 3,7. Un second qui mesure 10,2 par 3 cm. Ces deux morceaux-là viendront décorer ce panneau ici, mais également celui-ci à droite. D'accord? Ok. Et puis, une toute petite bande de papier qui fait 0,8 par 10,2, eh bien, lui, il va venir, en fait, décorer le petit pli d'un centimètre que l'on a ici. Coucou Sylvie, bienvenue. D'accord? Donc, 0,8 par 10,2 pour cette partie-là. Alors, maintenant que vous avez toutes les mesures, eh bien, nous allons attaquer l'assemblage de cette carte. Donc, vous voyez, elle est hyper simple à faire et en plus, elle est hyper rapide. Donc, du coup, le top si on est pressé. Et puis après, on peut s'amuser avec la déco si on a envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, je vais déjà, hop, marquer les plis de ma carte. Donc, je viens déjà la plier en deux. Voilà. Donc là, on fait bien attention que ce soit bien droit. Hop, on aligne et on vient bien marquer le pli avec le plioir. Sandrine dit, Oh Lily, éblouie par ta mère que tu en tombes à la renverse. Pas de problème, Corinne. Bonne couture à toi. Coucou Isa. Alors. Ensuite, zou, on continue simplement. Alors, beaucoup de scrappeurs et scrappeuses parlent des termes montagne-vallée. Je vous avoue que j'ai encore un peu de mal avec ça. Bref, le pli de 1 cm, hop, je le rabats comme ceci. Je vous remets la carte, hop, ici, pour que ça vous donne une petite idée. Donc, j'ai ma carte qui est pliée en deux comme ceci et je remonte le pli d'un centimètre. Ok? Ensuite, ça viendra, vous voyez, se bloquer comme ça. Et je continue en fait simplement à marquer les plis. Hop. Voilà, on suit les plis du papier. Voilà. Et voilà ce que va donner votre carte. D'accord?
Alors là, j'utilise le plume de Parme. J'ai hésité entre plume de Parme et horizon de Bruyère. Donc là, je suis sûre du ce qui me restait de plume de Parme. Par contre, horizon de Bruyère va parfaitement avec la collection aussi. Donc voilà comment se présentent les plis de votre carte. Vous voyez, c'est très simple. Et puis maintenant, coucou Nadine. Et puis maintenant, bah en fait, il nous reste qu'à décorer en fait, tout simplement. Vous voyez, je vous avais dit que c'était simple et rapide, quelques plis seulement, et du coup, on se retrouve avec une carte qui fait un super effet. Ok? Si vous décidez de mettre un morceau de papier blanc à l'arrière, donc pour écrire votre petit mot, je vous conseille de le faire maintenant, avant, si vous voulez, de procéder à la suite, c'est-à-dire qu'ici, on va venir coller et tout, je vais vous montrer. D'accord? Il vaut mieux s'occuper déjà de l'arrière, ça sera plus facile à travailler que si on a déjà tout monté et puis qu'on s'attaque à la fin. Ok? Donc, pour le morceau de papier design de l'arrière, il vous faut un morceau de papier blanc de 14,3 par 10 cm. 14,3 par 10 cm. Et puis là, je vais simplement venir le coller. Si vous décidez de faire des tamponnages, pensez bien également à les faire avant. Oula, je suis pas du tout ça. Cali, je ne comprends pas. Et je viens coller mon papier. Donc celui-ci, 14,3 par 10 cm. Voilà, hop, ça sera plus pratique. Voilà. Si avant de faire la carte, vous savez déjà à qui vous allez écrire, vous pouvez même pousser encore plus loin, c'est-à-dire écrire votre message d'abord, tamponner, mettre vos décos, etc. Et puis ensuite venir coller ce papier blanc. D'accord? Pour l'instant, moi, je ne sais pas encore à qui je vais l'envoyer, donc du coup, j'attends un petit peu. Bon, il y a toujours possibilité d'écrire derrière, vous inquiétez pas. Ah, merci Marie-Pierre. Bon, écoutez, vous me faites plaisir aujourd'hui. C'est un vrai bonheur. Merci beaucoup. Hop, voilà. Ensuite, une petite déco. Cali, tu t'es plantée? Ben, tu referas en replay, ma belle, c'est pas grave. Tu auras la fiche technique en plus. Ah, Lila, bienvenue. Vous avez le prénom de ma fille. Bah, bienvenue. Bah, du coup. Voilà, aujourd'hui un projet créatif tout simple pour faire une carte. Vous aurez après, si ça vous dit, la fiche technique. Du coup, vous aurez tout pour la vidéo, la fiche technique pour refaire la carte si ça vous tente. Un petit morceau de papier uni, un petit morceau de papier design pour donner une petite touche de déco sur le papier à l'arrière. D'accord. Maroutine, ok, ça marche, je te l'envoie, ma belle. Donc là, tout simplement, du 10,2 ou du 10, tout simplement, 10 cm par 1,6 pour le papier uni. Oui, c'est rare ce prénom. Ma fille a 10 ans et voilà, elle s'appelle Lila. Mais elle avec un Y. Et donc le morceau de papier design dessus, 1,2 par 10. 1,6 par 10 pour le papier uni et 1,2 par 10 pour le papier design. Ok, ça c'est vraiment une petite touche de déco supplémentaire, donc qui n'a rien d'obligatoire. Ok, faites-vous plaisir, c'est l'essentiel. Moi, je vous donne surtout des idées, des bases, de l'inspiration, et après, il suffit juste de vous faire plaisir. Je suis demain, la première fois que je suis cette charmante personne. Oh, merci Marie-Pierre. Ok, bien. Et bien maintenant, nous pouvons passer donc à la déco de notre petite carte. Ici, à l'intérieur, vous avez vu sur ma carte de présentation, vous avez encore un morceau de papier blanc, d'accord, que l'on va venir coller. Alors, avant ça, nous allons en fait, vous avez vu, vous avez votre pli sur la gauche, là, ici, celui-ci. Eh bien, cette partie-là, nous allons simplement venir la coller. Voilà, comme ceci, on va le coller.
D'accord? Comme ça, nous n'aurons plus que l'ouverture ici de la carte. Et puis, ça aide un petit peu à maintenir. D'accord? Ok? Donc, je viens coller cette partie-là. Voilà. Ça, dans un premier temps, c'est bon. Ok. Ici viendra se mettre le morceau de papier blanc, hop, qui viendra se coller ici. Et ce papier mesure 10,2 par 7,5. 10,2 par 7,5. Merci Lila, c'est très gentil. Il viendra donc ici. Ok? Là, c'est pareil, vous pouvez aussi décider de mettre un tamponnage dessus, par exemple. Regardez, ici, j'ai tamponné la magnifique petite pivoine. Alors, est-ce que ça va zoomer ou pas? Voilà, vous voyez comme elle est jolie. Ce tamponnage, il est juste magnifique. Donc là, on peut décider de faire la même chose. Et d'ailleurs, je pense que je vais peut-être mettre juste une toute petite fleur d'hortensia. Vous allez voir. Donc là, on parle de arbre d'hortensia. J'adore. C'est vraiment très très beau, super bien travaillé. Ok. Donc là, je vais prendre les petites fleurs. Hop. Celle-ci que je vais tamponner, bien sûr, en horizon de bruyère pour rester dans la coordination des couleurs. Hop. Je prends mon bloc. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus petit, mais bon, c'est pas grave. Et je vais juste venir tamponner une petite fleur ici pour décorer mon papier. Hop, voilà. Une petite touche fleurie. Voilà, très mignonne. Et avec ce tampon-là, en fait, on peut le coloriser. J'ai fait la boîte panier de la semaine dernière, le couvercle qui est un peu juste, mais tant mieux, on ne me piquera pas mes œufs en chocolat. Excellent, Annie. J'adore. Cali, t'as rattrapé? Bon, bah, c'est génial. Super. J'ai perdu mes tampons. Ah, ils sont là. Ça va, tu t'en sors, Cali? Oui, attends, parce que moi, j'ai pas fait la même chose que toi, du coup, bah. D'accord. Ok, ça marche. Et je viens prendre l'autre petit tampon qui lui vient coloriser l'intérieur. Il ne tombe pas pile, mais c'est fait exprès. C'est un petit peu comme de l'aquarelle, hein. Rien n'est très très précis. Donc je mets dans mon encre, pardon, hop. Et comme j'ai pas envie que ce soit trop trop foncé, je vais dans un premier temps retirer un petit peu d'encre et je viens ensuite, hop, tamponner à l'intérieur. Sandrine, si tu te moques de moi parce que tu me vois tourner mon bloc, attention. Là, j'ai toujours du mal à trouver le sens. Voilà. Zou! Voilà. Ça fait très simple. Une petite touche. Voilà. Et puis, allez hop, une petite fleur, une petite feuille que je vais tamponner en feuillage sauvage. Ça, c'est le vert aussi qui a coordonné à la collection. Hop. Vous avez vu, c'est des toutes petites feuilles qui sont nickel pour cette petite fleur. Hop. Voilà. Nickel. Ok, allez, on continue. On va coller maintenant les papiers design. C'est parti. Donc maintenant que mon papier uni est fait, je le colle. Voilà. Donc je rappelle la mesure de ce papier uni qui va à l'intérieur. Il fait 10,2 par 7,5. Alors, Malili, elle utilise les escargots. Alors, je vais venir déjà coller sur l'avant. Ok? Donc,
Je prends le morceau de papier design de 10,2 par 3 cm. Hop, et je vais venir le coller ici. 10,2 par 3 cm. Et je viens le coller sur le panneau de gauche à l'avant de ma carte. Voilà. Nickel. Et je viens ensuite, on va continuer comme ça de gauche à droite. C'est-à-dire les trois morceaux de papier de 3,2 que nous avons coupés juste avant. Donc il y a une continuité hein, puisqu'on les a coupés à la suite selon le papier que vous avez utilisé. Vous voyez du coup, on voit hop, la continuité de nos dessins en fait. Et ça c'est super joli. Les trois morceaux, hop hop hop, viennent ici. Donc c'est comme si le panneau était découpé en fait, ça fait comme une fenêtre. Voilà, d'où le window. Et on vient les coller. Voilà, voilà. Ça va? Vous arrivez à suivre? Super, tout le monde va bien? Est-ce que vous passez un bon moment? Bon, en fait, c'est ça ce qui m'importe, c'est de savoir si, voilà, si vous vous ennuyez pas, si vous passez un moment agréable, c'est le plus important. Avec le sourire, la bonne humeur, mes chipis sont assez calmes aujourd'hui, ça va. Voilà, hop. Voilà, voilà, ça commence à prendre forme tout ça. Merci Gwen. C'est gentil. Ça, c'est un super compliment. Parce que c'est pas rien, quand même, de faire des vidéos comme ça et puis de vous les présenter, faire en sorte que ce soit clair pour chacune et chacun. Très concentré, Lila. Super. Je viens coller ici mon dernier morceau de papier, hop, de 0,8 par 10,2. Voilà, pour décorer un petit peu ce petit bout de pli d'un centimètre. Hop là. Merci Laurence. Très clair et très net. Merci beaucoup, ça va. Super Marie-Pierre. Nickel. Coucou Muriel. Voilà. Hop. Vous voyez, ça commence vraiment à prendre forme tout ceci. Il nous reste maintenant à coller l'autre morceau de papier design que nous avions préparé également, qui lui fait 10,2 par 3,7. Et en fait, on va venir hop, le coller ici, à côté de notre morceau blanc. D'accord? Alors, on y va. Voilà, juste à côté. C'est nickel. Voilà. Alors, ensuite, on va utiliser alors, ce que vous voulez, hein, une étiquette, un bouton, une attache parisienne, mais ça, faut l'anticiper. Que sais-je encore voilà, bouton, étiquette, petite découpe. En fait, tout simplement pour pouvoir retenir ce panneau ici. Vous voyez, j'ai mon étiquette et du coup, le petit rabat d'un centimètre se glisse à l'intérieur, ce qui permet que le panneau avant tienne. Vous voyez, là, elle est couchée et elle ne s'ouvre pas. D'accord? Donc là, vous faites vraiment avec ce que vous avez, ce qui vous fait envie. Donc ici, vous voyez, j'avais encore pris les poinçons couture imbriqués. Je vous ai dit, je les adore. Je les trouve magnifiques. Donc ça, c'est le petit modèle. Voilà. Et du coup, donc, je l'ai collé que sur une partie, bien sûr, pour pouvoir laisser entrer mon pli. D'accord? Donc là, eh bien écoutez, j'ai fait la même chose. J'ai repris la même, hein, parce que voilà, quand on aime, on compte pas, n'est-ce pas? Pour un anniversaire, bah, du coup, ma routine, bah tant pis. Voilà, toujours des super tampons et des poinçons qui sont magnifiques. Voilà, donc je vais venir coller cette étiquette ici, donc je prédispose avant pour voir un petit peu où je veux la positionner.
Voilà, et je sais que je vais mettre de la colle ou des dimensionnales, hein, des mousses 3D, d'accord, pour venir maintenir mon étiquette sur la partie ici, la partie arrière, pour pouvoir tenir mon rabat. Donc là, je prends mes dimensionnales, voilà, hop, et je fais bien attention de les mettre donc sur l'autre moitié de mon étiquette. Hop. Voilà. Donc sur ma carte précédente, j'ai mis de la colle, ça passe aussi très très bien, hein, donc pas d'inquiétude. Oui, Dominique, t'as vu? Très rapide la carte et elle a un super effet. Hop, je viens positionner maintenant mon étiquette. Voilà. Hop, voilà, comme ça, c'est donc bien retenu. Ça passe nickel. Déjà, je trouve que ça donne un super effet. Merci Josiane, je vous avais pas vu. Bienvenue. Voilà, vous voyez, hop, ça tient. On a déjà une carte super sympa. Trop belle. Ok, une petite déco supplémentaire. Allez, quand même, avec les hortensias. Vous avez, je vous l'ai montré, le set de tampons, mais vous avez aussi des magnifiques poinçons. Coucou Nathalie, ça va? Voilà la fameuse découpe de l'hortensia que là j'ai découpée en blanc pour qu'elle ressorte bien par rapport à la carte. Donc là, on a la fleur, mais aussi donc plein de petites découpes que l'on vient coller par-dessus la grande découpe et j'ai rajouté des petites perles pour lui donner encore un effet un peu plus brillant. Et puis bien sûr, on a les feuilles, vous voyez, qui sont d'une magnifique précision. Alors bien sûr, c'est pas les seuls hein, poinçons qu'il y a. Voilà, vous avez tout ceci, donc ici les petites fleurs que j'ai rajoutées sur le gros hortensia ici. Et du coup, vous avez aussi la possibilité, vous voyez sur le tamponnage, vous avez donc le grand tampon. Et du coup, vous pouvez découper nickel le poinçon. Une petite étiquette. Ici, c'est un ensemble de fleurs qui se découpe aussi. Et puis donc les superbes feuilles. Voilà. Et les petites, bien sûr, j'oubliais que vous avez ici. Donc du coup, c'est nickel pour découper parfaitement bien nos tampons. Donc là, je vous dis, je suis partie donc sur... Elles sont sages, les Claudettes. C'est plus les chippies, c'est les Claudettes. Cali, j'aime beaucoup. Je vais venir coller donc mon hortensia blanc sur l'avant de ma carte. Hop, avec ses feuilles. Voilà, comme ça, il va vraiment ressortir. Voilà, donc je positionne avant pour voir à peu près où je vais le coller. Voilà. Là, ça me paraît pas mal du tout. Merci Muriel. Alors, je viens coller. Donc là, encore une fois, on fait attention hein, selon ce que vous mettez. Pensez bien que votre carte, si vous l'envoyez, va être fermée. Donc, on ne colle que sur la partie centrale du panneau. Hein, d'accord ? On fait bien attention. Donc là, je vais venir coller ma tige. Voilà, je vais encore m'en mettre plein les doigts. Hop. Un petit peu sur mes feuilles. Hop. Très pour que ça tienne. Merci Marianne. Ouais Coco, pas de soucis. Tu m'avais prévenu, il n'y a pas de problème. Oui Marie-Pierre, c'est beau, hein. Allez, hop, je viens coller ça déjà. Voilà, donc là je vais l'ouvrir pour pouvoir bien appliquer mon papier et ma colle. Ok, voilà. Du coup là c'est à l'air, c'est parfait. Et je vais venir ici coller
mon hortensia. J'ai une perle qui s'est sauvée, tiens. Mon hortensia, pareil, avec des dimensionnales. Hop. Voilà. Elle s'était cachée, la vilaine. Ah, Muriel, je suis contente que ça te plaise. Oui. Je fais les commandes demain pour le mini-album, Muriel. Hop. Je reprends mes dimensionnales et je viens coller mon hortensia. Alors, il faut que je réfléchisse avant. Faire attention. Voilà, donc là, au centre, j'ai encore une perle qui m'est collée, qui est restée collée sur mon doigt. Les Claudettes sont au soleil. Elles bronzent, elles bronzent. Hop, voilà. C'est parti. Et je viens le coller dessus. Hop. Alors, j'ai utilisé plume de parme parce qu'il m'en restait un petit peu. Puis je voulais l'utiliser encore un peu. Je pense qu'il est peut-être encore dispo, le plume de parme. Mais sinon, Horizon de bruyère passe très très bien aussi. Avec plaisir, Marianne, je suis ravie. Voilà, regardez. C'est vraiment super joli, je trouve. Je vais rajouter une petite perle pastel ici sur le côté pour redonner un petit côté supplémentaire de brillant. Alors, elles sont où mes petites perles? Là. Hop, il m'en reste pas beaucoup du coup. Ça, c'est les perles pastel qui sont donc avec la collection. Vous voyez comme elles sont jolies. Elles sont vraiment magnifiques ces perles. Elles sont belles, hein? Alors, je vais venir en coller une ou deux. Voilà, allez, un petit peu comme ça. Hop. Une autre sur mon étiquette. Zou. Et puis, tiens, une ici sur le petit morceau de 1 cm. Voilà. Oui, ma rotine. Mais t'as vu, c'est pour un anniversaire. C'est pas grave, ça t'ennuie pas. Parce que c'est pas maintenant ton anniversaire. Oui, les perles sont vraiment magnifiques. Les perles pastel sont vraiment trop trop belles. Et elles rendent super bien, évidemment. Mais c'est ça ce qu'on aime en fait. Je pense que c'est une des choses qu'on aime le plus avec Stampin' Up. C'est le fait d'avoir tout ce matériel qui est coordonné en fait. On a une collection, mais du coup, on a ce qui va avec. On a le ruban, on a les perles, on a le papier uni, on a le papier design, on a les tampons, on a tout qui va ensemble. Oui, je sais qu'on ne peut pas tout acheter, mais du coup, il faut se focaliser sur ses coups de cœur et puis pas hésiter trop longtemps quand on a des vrais coups de cœur, parce que là, du coup, ça part vite. Voilà. Alors, du coup, bah, vous voyez, vous avez du coup, là les deux versions très fleuries. Une avec les pivoines, l'autre avec les hortensias. Couleur pétale de rose, couleur horizon de bruyère. Voilà, je suis assez contente du résultat en fait pour les hortensias. Je trouve que ça rend vraiment super bien en blanc. Je pense que vous aimez aussi. Et bien voilà, vous voyez, je vous avais dit, hein, vraiment une carte toute simple, toute rapide à faire, juste du plaisir, quelques plis et puis on y va. On fait des trucs assez sympas et originaux, je trouve. Donc ça, c'est ce que j'aime aussi. Voilà. Bah écoutez, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas, du coup, donc le mini-album Hortensia est toujours disponible encore pour 2 petites heures aujourd'hui pour les inscriptions. Également pour les envois de catalogue, donc là vous avez un petit peu de temps, vous avez dans la publication là le lien pour avoir toutes les infos pour recevoir éventuellement votre exemplaire.
Et puis également, n'oubliez pas les portes ouvertes le 8 et 9 mai. Voilà, on se retrouvera sur un groupe privé pour une découverte de ces produits et puis de plein de projets, etc. Et puis, ben voilà, toujours les fins de série qui sont toujours d'actualité. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un beau moment, j'espère que les cartes vous ont plu. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Si vous réalisez ces cartes, publiez-les, ça sera un vrai bonheur de pouvoir les voir et indiquer hashtag Harmony Scrap dans vos publications, comme ça, bah moi aussi, je peux en profiter et puis voir un peu toutes vos belles créations. Et puis, bah, il y a toujours le challenge de Pâques hein, qui est en cours. Donc pour les envois, le vendredi 20h au plus tard sur ma boîte mail. Voilà. Vous savez tout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je suis très heureuse d'avoir partagé ce nouveau live avec vous. J'espère que les nouvelles personnes qui sont arrivées aujourd'hui ont passé un bon moment aussi. J'embrasse Marie-Pierre et Lila particulièrement aujourd'hui. Merci pour tout. Merci à toutes mes chippies, merci à tout le monde. Et puis bah, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 14h, pour le prochain live créatif. Je vous embrasse, prenez soin de vous, profitez du soleil. Ciao tout le monde!